viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous mûrir à part. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi section 4, page 206. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de
loi. J'ai choisi la loi de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au les siècles des siècles, amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 1. À 411. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours enfin. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent les eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Seigneur Sabaoth, si ta veine pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissent, des royaumes chancelaient. Se dissout. Avec
éternel pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, l'arc il a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons-moi, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Ouais, Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à magnifier son œuvre, que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, j'en sens brancher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, mettre en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, amen. Du père Dominique Hermant, moine bénédictin, la vie dans l'esprit. La puissance de l'esprit n'est pas irrésistible et il nous est donné une liberté qui fait la différence immense entre ce qu'est la loi de la gravitation pour une pierre et ce qu'est la loi de l'esprit pour nous. Cette liberté consiste dans la possibilité qui nous est accordée par Dieu, non en théorie mais réellement, de nous impliquer nous-mêmes ou non dans la réalisation de son projet et pour cela de nous laisser ou non conduire par cette loi esprit et actionné par cet esprit-loi. Ainsi, on peut comprendre pourquoi saint Jacques parle d'une loi de liberté et comment sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pouvait dire « Je fais toujours ce qui me plaît », c'est-à-dire ce à quoi me porte le mouvement profond de mon être. Or, c'était la règle du Carmel, une règle austère et pointilleuse entre toutes. Cet exemple prouve à quel point la loi de l'esprit peut s'emparer pour les transfigurer des lois positives les plus diverses. Si l'Évangile n'en contient aucune de particulière, c'est sans doute pour pouvoir se marier à toutes. Il y a des pays
où on conduit à droite et d'autres où on conduit à gauche. L'esprit, qui contrairement aux lois positives est donné aux personnes et non aux groupes ou sociétés, n'a rien à voir avec les déterminations du code de la route. Sa seule loi à lui, c'est que, à droite ou à gauche, chacun conduise de façon à respecter la création de Dieu et l'amour du prochain. Car il ne faut pas oublier que la liberté que donne l'esprit n'est pas, comme saint Paul le rappelle vigoureusement, la licence de faire n'importe quoi. Ma grâce t'a suffi, ma force se déploie dans ta faiblesse. Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse,
pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Jeanne d'Arc, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Quelle destinée mystérieuse, en effet, que celle de cette toute jeune fille, simple bergère au village de Don Rémy sur la Meuse, instruite par le Seigneur en personne à travers des voix dont le message n'a jamais fait aucun doute pour elle. Elle s'est livrée corps et âme à l'incroyable mission que ses voix lui transmettaient. Jeanne a 13 ans lorsqu'elle entend pour la première fois une voix venant de Dieu qu'elle identifiera comme celle de Saint Michel. La jeune fille est troublée, puis réconfortée. Elle se livre alors sans retour. Sa vie appartiendra pour toujours à la charité de Dieu. Jusqu'à son martyr sur le bûcher, les conseils de Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite ne la quitteront pas, accompagnée de lumière et de la certitude réconfortante d'entendre la volonté de Dieu. Jeanne était bonne, simple et douce fille, témoigna d'elle une amie de son enfance, Oviette, lors de son procès de réhabilitation. De la simplicité, il en fallait en effet, et quelle simplicité pour faire sienne, à 17 ans, une mission aussi déroutante, venir en France, lever le siège d'Orléans, délivrer les villes assujetties aux Anglais, faire sacrer roi à Reims le dauphin Charles, Charles VII. La réponse spontanée de Jeanne à cela la première fois fut aussi vive que nette. « Je suis une pauvre fille qui ne sait ni aller à cheval, ni faire la guerre. » Mais les voix lui disent, comme toujours, de s'en remettre à Dieu et lui expliquent comment elle va s'y prendre. Alors Jeanne s'abandonne et adhère, confiante que les obstacles tomberont puisque telle est la volonté de Dieu. Elle n'a plus peur. Son leitmotiv, qu'elle répétera si souvent, « Je m'en rapporte totalement à Dieu », devient sa ligne de conduite envers et contre tout, une ligne d'une incroyable fermeté jusqu'au bout. On connaît dès lors l'épopée fulgurante qui fut la sienne pendant 2 ans. Don Rémy, Vaucouleurs, Chinon, Poitiers, Tours, Orléans, Reims. « Gentil roi, dit Jeanne en pleurant dans la cathédrale, or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre. » Mais viennent les revers. À Paris, c'est l'échec. La ville reste aux mains des Anglais. À Compiègne, Jeanne est prise aux portes de la ville. Prisonnière, elle est conduite à Rouen. Procès inquisitoire. La limpidité des réponses de Jeanne à ses juges, sa vaillance, son innocence qui déjoue les questions les plus habiles, en désarme plus d'un parmi ses accusateurs. Plusieurs s'en vont, bouleversés. Pourtant, la sentence est sans appel. Jeanne sera brûlée vive pour hérésie, apostasie et trahison. Dans les flammes, ses derniers mots montent comme une prière. « Jésus, Jésus !» Tout est accompli, elle a à peine 19 ans. Il faut le courage d'une mère pour que l'histoire ne s'arrête pas là. Isabellette Romée, la mère de Jeanne, en appelle au pape.
Calixte III, impressionné, accueille favorablement sa supplique et fait réviser le procès de condamnation de Jeanne. En la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 7 novembre 1455, on lit l'admirable témoignage de la mère. Jeanne est réhabilitée. Elle sera canonisée en 1920 à Rome et déclarée patronne secondaire de la France. L'espérance. Voilà ce qui m'étonne, dit Dieu. Que ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante et tremblante à tous les vents, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure et invincible et impossible à éteindre. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Je n'en reviens pas. Cette petite fille, espérance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour notre pays, pour ceux qui le gouvernent, que ton esprit, Seigneur, nous réveille pour te servir en nos frères. Nous te prions, Seigneur. Pour tous les chrétiens de France et pour ceux qui cheminent vers le baptême, à l'intercession de Sainte Jeanne, que ton esprit nous ouvre à la richesse de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que ton esprit les réconforte dans la fidélité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, Oh.
siècle des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Dieu très saint, que ton esprit façonne en nous, à l'exemple de sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple, fidèles jusqu'au bout à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses.